auras beau chercher dans l'horizon, regarder par la longue vue, au loin les réponses à tes questions, éclairer les malentendus. T'auras beau dire que tu es malheureuse, répéter que tu te sens comprise, t'auras beau dire ma pauvre Vénus, t'es dans la peau comme la javanaise, tous nos faux pas et nos travers, faudrait qu'on apprenne à passer à travers, à passer à travers. Je t'aime par toutes nos lacunes, nos vilains mots, nos sans rancune, nos engueulades sous la lune. J'aime quand on pleure et qu'on fume, j'aime ce feu qui nous consume. Toutes nos erreurs, je les assume, toutes nos errances qui nous embrument. C'est pour toi que mon cœur s'allume, c'est pour toi que mon cœur s'allume, c'est pour toi que mon cœur s'allume. J'aurais beau dire c'est pas celle qu'il me faut, t'auras beau dire c'est pas celui-là, tourner tourner en rond de plus en plus souvent, trouver le temps trop long, la poudre aux yeux, les coups du sort, il deviendrait illusoire de donner et de recevoir, mais je veux encore y croire. Je t'aime par toutes nos lacunes, nos vilains mots, nos sans rancune, nos engueulades sous la lune. J'aime quand on pleure et qu'on fume, j'aime ce feu qui nous consume. Toutes nos erreurs, je les assume, toutes nos errances qui nous embrument. C'est pour toi que mon cœur s'allume, c'est pour toi que mon cœur s'allume, c'est pour toi que mon cœur s'allume, pour toi que mon cœur. Je te demande pardon pour le cœur et ses raisons, nos larmes en déluge ont noyé nos cœurs éponges, de mensonge en mensonge, dans le manège du naufrage, on lit sur nos visages qu'on cherche encore un refuge. Pour s'aimer sous l'orage, mon ange, pour s'aimer dans la rage, mon ange, pour oublier les vertiges, mon ange, pour oublier les messages qui blessent, pour effacer les images qui restent, pour apaiser nos âmes qui s'assèchent, pour replanter dans nos deux cœurs la flèche, pour ne jamais sortir du sortilège. Tous nos faux pas et nos travers, faudrait qu'on apprenne à passer à travers, à passer à travers. Je t'aime par toutes nos lacunes, nos vilains mots, nos sans rancune, nos engueulades sous la lune. J'aime quand on pleure et qu'on fume, j'aime ce feu qui nous consume. Toutes nos erreurs, je les assume, toutes nos errances qui nous embrument. C'est pour toi que mon cœur s'allume, c'est pour toi que mon cœur s'allume, c'est pour toi que mon cœur s'allume, pour toi que mon cœur, pour toi que mon cœur, pour toi que mon cœur s'allume, pour toi que mon cœur. Salut à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de Jam Laughter. Vous venez de voir l'artiste principal qui vient de nous délivrer une super prestation, mais on se retrouve avec des artistes en émergence, et un artiste en émergence qui nous vient aujourd'hui pour sa première interview, c'est Ulysse Manès. Comment tu vas, Ulysse ? Très bien, merci de m'inviter pour ma première interview. Bah, écoute, on a pris un vrai plaisir. Franchement, c'était un beau texte, une belle mélodie. Je crois que c'est la première fois que tu joues cette chanson en live. Oui, et moi aussi j'ai pris un grand plaisir à jouer ici, c'est vraiment... merveilleux, et c'est mythique. Ouais, bon, on va en reparler, hein. De toute façon, les idées, les arrangements, parce que je pense que ta chanson qui va sortir bientôt, elle n'est pas arrangée de la même façon, mais on va en reparler juste après. Pour tout le monde, tous les invités, toutes les invitées, on pose 5 questions simples, réponses simples, donc à toi de nous répondre du mieux que tu peux, bonne chance. La première chanson que tu as écoutée ? Je crois que c'est Le Monde est Stone, dans Starmania. D'accord, ton premier souvenir musical ? C'est les albums de Bachung dans la voiture avec mes parents, dans les longs trajets, la nuit, en D'accord. voiture, quand il pleut. La chanson qui t'a donné envie de faire de la musique ? Je pense que c'est une chanson de Bachung, justement. Peut-être La nuit, je mens, qui est un classique. Ouais, bien sûr. Voilà. Ok, donc ça, c'est le premier coup de foudre musical. Le premier coup de foudre musical véritable, c'est Michel Berger, c'est Paradis Blanc, et puis ça a été Sarmania également. D'accord.
Ouais, déjà des bonnes influences, mais on les retrouve dans ta chanson de toute façon. J'espère, j'essaye. Le premier CD que tu as acheté? J'ai jamais acheté de CD. C'est beau. Alors ça c'est une première hein, dans l'émission. Ben non, mais alors il y a les CD de mes parents. Par contre, là, je vais avoir mon permis de conduire et je suis en train de réfléchir à la petite bibliothèque que je vais me constituer dans la voiture. Donc, ah d'accord. Bah, si vous qui regardez l'interview, vous avez des idées pour faire la jukebox automobile d'Ulysse, vous pouvez mettre ça en commentaire parce que pense que tu es toujours à l'écoute parce que c'est vrai que c'est une de tes qualités. Tu es quand même un garçon qui est bien ouvert, je te vois un petit peu on s'est rencontré plusieurs fois dans Open Mic à Paris, et t'es toujours à l'écoute de tout, et c'est extrêmement varié ce que t'écoutes. Ouais, j'essaye, mais j'essaye de m'initier aussi à des styles qui sont pas du tout les miens, parce que moi j'ai grandi vraiment dans un petit univers musical qui était celui de la chanson française et de la musique classique. Ouais. Et là maintenant j'ouvre avec le jazz, le blues, Et d'où le violoncelle peut-être ce soir. D'où le violoncelle notamment. Mais d'ailleurs c'était venu d'où cette idée de violoncelle justement, d'arranger cette chanson de cette façon? Eh bien en fait il y a eu deux sources, c'est-à-dire la première c'était une conversation avec toi, tu le sais, c'est toi qui m'as dit tu devrais essayer, j'hésite entre une contrebasse, un violoncelle ou un percussionniste, etc. Et tu m'as dit je crois que violoncelle c'est vraiment une bonne idée. Le violoncelliste qui joue avec moi c'est Roman Casal qui est un de mes meilleurs amis, qui est excellent. Donc on a répété très peu, on n'a eu qu'une seule répétition véritable, et en plus je suis parti vivre à Istanbul un mois je suis rentré hier en fait. Ah, tu te permets ça toi? Oui, je me suis autorisé ça. On est en fin de Covid et le gars part à Istanbul un mois. Oui, mais c'est ce qui permet, parce que c'est la philosophie, j'étudie la philosophie à côté et ça donne beaucoup de temps. Donc je suis parti travailler à Istanbul un mois, donc on n'a eu qu'une seule répétition ensemble. Et alors l'autre source, c'est que je fréquente un peu les milieux des open mic et de la chanson pop, etc. J'ai beaucoup d'amis là dans ce monde, mais je me rends compte que mes vraies affinités musicales, c'est avec des musiciens classiques, des pianistes classiques, des violonistes, des violoncellistes, etc. Et mon rêve, c'est de faire un concert avec uniquement une orchestration acoustique et des musiciens classiques. Ah d'accord, donc ça, on le verra peut-être un jour un concert complet. J'espère. Sur une scène, parce que ça va arriver, j'imagine, tu vas aller défendre ton... Je vais faire au mieux, oui. Tu vas sortir des chansons, d'ailleurs d'autres chansons. Cette chanson, je crois d'ailleurs que tu nous donnes l'exclusivité, tu vas la sortir. Tu as une annonce à faire, voilà, les Français veulent savoir. C'est ma grande annonce, c'est que cette chanson sera disponible sur toutes les plateformes. Enfin, j'espère, je vais essayer de la diffuser partout, le soir de la diffusion de cette live session. Ah, donc ouais. À minuit pile, normalement, elle sera disponible sur Apple Music, Spotify, peut-être sur Instagram si j'y arrive. Mais d'ailleurs, j'en profite pour les gens qui vont vouloir découvrir Ulysse juste après la diffusion. Je vais vous mettre l'Instagram d'Ulysse en description, ses réseaux sociaux, son réseau TikTok, parce qu'avec franchement, il fait des choses extraordinaires. Hein, oui, c'est vrai. Le twerk sur Renault, si t'as aimé. Ah bah exactement, c'est magnifique. Il fait des prouesses, vous allez voir. Hein. Et du coup, ta chanson, parlons-en brièvement. Du texte, le texte, le manque, le doute, tu passes par le désir amoureux. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Est-ce que c'est une autobiographie cette chanson ou est-ce que justement... D'abord, une petite précision sur cette chanson qui sortira sur les plateformes. Je l'ai chantée avec une amie qui s'appelle Emma et elle n'a pas pu être là aujourd'hui. En plus, c'était un format à deux avec le violoncelle. On passe un salut. Voilà, à Emma et sa voix est superbe et j'espère chanter encore avec elle. Cette chanson est assez récente, c'est une chanson d'amour un peu mélancolique, mais je me rends compte que globalement c'est le thème principal de mes chansons. J'adresse souvent des messages aux filles, à la première personne. Enfin, d'ailleurs, il y a des chansons moins genrées, comme on dit aujourd'hui, qui ne sont pas forcément adressées aux filles. Peut-être que derrière toutes ces filles, il n'y en a qu'une. Je ne sais pas. Écoute, j'espère voir peut-être l'heureuse élue. Ben hein, moi aussi. Et voir un duo avec Emma, et qu'on salue, que je connais un petit peu Emma, une chanteuse incroyable aussi. C'est pas son métier du tout, Emma. D'autant plus le talent à souligner. Elle est en études de médecine, absolument. Écoute, on la salue. Et cette chanson, dernière chose, a été arrangée en studio à Amiens, au Studio Bleu, avec Boris Pelosoff, qui est un de mes très bons amis, qui est aussi un proche de la famille maintenant, et qui est un formidable guitariste manouche. On a 7 chansons, ou bientôt 8 ensemble, et j'espère que la route sera encore très longue avec lui. On est en train de finir... L'EP est déjà terminé et un album très bientôt. On te souhaite le meilleur. Mais merci beaucoup et puis je suis vraiment très touché d'avoir vécu ce moment musical ici dans ce décor qui me tient tant à cœur. Et c'est génial de le faire avec toi. Mais en tout cas, merci Ulysse. On espère que la route sera longue pour toi. Et j'espère vous croiser bientôt et puis jouer avec toi parce qu'on a quand même fait quelques jams en off. Sans les caméras. On vous montrera pas ça tout de suite, non, ça sera dans des vlogs un peu exclusifs. Voilà. Merci à toi, on se retrouve pour un prochain épisode de Jam Laughter avec d'autres artistes en émergence puisque c'est le but. Et longue route à toi Ulysse, et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Jam Laughter. Merci beaucoup. Salut Ulysse. Ciao.